Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui je vous reprends avec un sourire bien plus communicatif que le dernier vlog où je vous avais laissé. Rappelez-vous celui où Noman nous a malheureusement fait une petite colique. Ouais, ça va un petit peu mieux. Donc là je vous reprends, on est directement dans le pré d'Haribo. Je viens comme tous les jours voir que tout va bien. Continuez de lui appliquer sa petite crème bien que je vais vous montrer juste après. Ça va vraiment beaucoup mieux. Hein. Depuis qu'il est dans ce pré-là, je trouve que mon poney revit. Il broute, il vit sa vie, il est plus serein, plus apaisé. Il n'y a pas de nouveau bobo, c'est vraiment que des cicatrices et les poils repoussent. Donc c'est parfait. Et on ne change pas les mauvaises habitudes. Monsieur me fait les poches. Il s'est pris pour Mary Poppins. Ah, toi aussi? Elle me fait rire. Elle, elle vient jamais me voir. Mais elle, elle vient toujours quand je viens m'occuper d'Haribo. Et là, je pense que c'est la curiosité du sac aussi qui l'a attiré. C'est bon? T'as vu qu'il n'y avait rien d'intéressant dedans? Toi, tu veux regarder? Oh! Oh, bah dis! Tu viens voir aussi. Allez, fille! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, sympa qu'elle accueille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bon, Haribo te sauve pas trop loin, faut que je te mette ta crème, mon chat. Que vous vous rendiez compte quand même, parce que vous êtes assez nombreux, notamment sur Instagram, à me dire « Oh mon Dieu, pauvre Haribo, il a encore plein de bobos et tout », mais ce ne sont que des cicatrices. Regardez, les poils repoussent. Tous ces trous que vous voyez là, c'est des anciennes blessures de guerre. Vraiment. C'est que des poils qui repoussent et forcément, ils sont un peu plus foncés. Parce qu'on est en pleine période de mue, ils sont en train de perdre leur poil d'été pour faire leur poil d'hiver. Donc Haribo, il est en train de prendre une autre couleur. Putain, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de grossir aussi. Et pourtant, il bosse. Mais ça va. Mais la preuve qu'il est mieux dans ce pré-là que dans celui où il était avant. Là, mon poney, bon, il faisait pas pitié hein, dans l'autre, mis à part les bobos qu'il avait. Mais il était pas maigre, mais il était plus fin que ça. Et là... là, il se fait plaisir. Là, il a accès au foin comme il veut. Il a des copines. Tout va bien. C'est chouette. Ça me fait vraiment très plaisir. Bon, ce qui est bien, en fait, ici, c'est que c'est la fête des voisins aussi, tout le temps. Parce qu'en fait, il y a une clôture, là, qui sépare ce pré-là de ce pré-là. Mais ils ont accès à un râtelier en commun. Et du coup, ça permet à Haribo bah, de passer un petit repas entre voisins, voilà. Donc là, je lui ai mis sa crème, la Natural Balm. Normalement, si vous avez vu la vidéo où Haribo fait son shopping chez Olala, vous savez que c'est lui-même qui a choisi cette crème. Donc je continue de lui en mettre tous les jours, bien que, en toute honnêteté, je ne sais pas vraiment si ça a une réelle utilité, puisque comme je vous ai dit, il n'y a plus la peau apparente. Hein. Mais c'est vrai qu'elle active aussi la repousse du poil, donc... moi, ça me fait du bien aussi de me dire que je continue de lui en mettre et j'ai bon espoir que les poils repoussent plus vite. Et franchement, quand je vois l'état du poney, bah je pense que ça marche. Hein. Donc je suis trop contente. Bon, par contre, ça fait aussi pousser la crinière. Non, rien à voir. Mais c'est juste que je trouve sa crinière un peu longue. Il va falloir que je lui recoupe la prochaine fois. Bon, je m'en vais. Je laisse Haribo à ses occupations de vie de poney très malheureux dans son pré. Avec ses copines, voilà, tout va bien, je suis contente. Je m'en vais donc continuer ma petite journée et au programme, déposer vos colis et aller voir que Nono et Highboy vont également bien. Et je vais peut-être même faire une petite longe à Highboy parce que je pense qu'il va falloir qu'il revoie l'ostéo. Il l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je sais pas, j'ai l'impression là que depuis quelques jours, il a une petite gêne à droite. Bon, ce plan est magnifique. Je vais aller déposer donc mes petits colis, puisque je vous avais dit hein, dans mon dernier vlog que je mettais en vente pas mal d'articles. Attendez, puisque mon volant est net, mais moi je suis flou, je crois. Pas mal d'articles en vente de mon vide céleri et... et vous êtes également un certain nombre à m'avoir fait part que vous aviez remarqué que mon site internet était en maintenance. Et alors oui, c'est vrai, c'est volontaire de ma part en fait, tout simplement parce que j'ai décidé... alors, je suis en train de travailler dessus actuellement avec une copine. Je ne sais pas quand
est-ce que ce sera fait, mais je vous ai écouté et bah, vous êtes assez nombreux quand même à me reprocher le fait que vous ne pouvez pas en fait payer en ligne directement. Et c'est vrai qu'il fallait passer par mail ou alors il fallait passer par voie postale en m'envoyant votre bon de commande, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien du bon de commande si vous voulez continuer à commander, puisque bah, vous pouvez plus y accéder vu que le site internet n'est plus accessible. Donc je vous mettrai le lien du bon de commande des articles de la gamme Rêve Compulsif. Et du coup, en fait, on est en train de travailler sur un nouveau site internet pour vous permettre de faire vos achats directement en ligne. Ce sera plus simple pour tout le monde, j'imagine. Alors je dis j'imagine parce que moi, j'ai jamais géré un site internet, une boutique en ligne, mais je pense que ça va le faire, hein. Il y en a d'autres qui y arrivent, alors il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Voilà pour ce qui est du petit point bug internet. C'est pas un bug, c'est volontaire. Ah si, et avant de prendre la route, je viens de penser aussi à autre chose, c'est que j'ai en story à la une, pour ceux qui me suivent sur Instagram, tous mes articles de mon vide-sellerie que je vends justement, et vous pouvez également me contacter sur Instagram si vous voulez acheter des articles de la gamme Rêve Compulsif. On a aussi la possibilité de passer par Vinted, mais tout ça, je vous en parle en principe quand vous êtes intéressé par quelque chose. Allez, j'y go. Bon, je viens d'arriver aux écuries et là je vais faire un truc que ça fait un moment que j'ai envie de faire et je pense que ça fait un moment que mes chevaux ont envie de vivre aussi. Cette porte est ouverte depuis plusieurs semaines maintenant et je vais la fermer. Voilà, vous êtes contents de le savoir. Non mais il y a une raison à ça. Alors, je fais n'importe quoi. Voilà, je la ferme. Je peux vérifier que l'autre côté soit fermé aussi. Alors, l'autre côté, il était fermé sur celui du haut, mais pas celui du bas. Tac, voilà. Maintenant, tout est fermé. Et justement, tout est fermé. Mais ça va changer. Bon, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la scène. C'est-à-dire que je m'attendais à ouvrir et avoir un libéré, délivré, avec les poneys qui galopent dans tous les sens. Mais non, je pense qu'ils vont venir un par un, aisément, calmement. Voilà, ça fait des semaines que cette partie du pré est fermée pour qu'on puisse laisser à l'herbe le temps de repousser, c'est chose faite. Donc maintenant, ils vont pouvoir aller et venir comme ils veulent. Bye! Y'a voir! Une surprise! Oui! Y'a voir! Regarde. Ah, il s'arrête même pas pour me dire bonjour. Hein. Non. Et Magic, toi aussi, t'as le droit. Ah, loulou. Ça va, Magico? Et hop, on s'arrête pas non plus pour dire bonjour. Allez, profitez-en, les gars. Enfin, profitez-en, je vais quand même choper Nono. Parce qu'il faut que je lui enlève son pansement. Enfin, ses pansements sous les pieds. Des belles marques, hein. Jolie, hein. C'est un style. Parce qu'il faut savoir que Monsieur Nono, il a vu le podologue et il a un pourrissement de la fourchette. Et du coup, il a des pansements dans la fourchette qu'il faut que je lui change. Voilà. Qu'il faut que je lui change tous les 3 jours. Hop. Et c'est ça, c'est le ouf stuff. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Hop là. Oui. Hop, on vient le rentrer dans le creux et comme ça le pied à l'état naturel, bah, il va bouger et en fait ça va venir malaxer à l'intérieur, le pansement ne sortira pas, là vous voyez ça fait 3 jours que je lui ai mis, il l'avait encore et ça va guérir. Et bien mon oeil. Nono, c'est le genre de cheval qui est copain avec les mouches aussi. Du coup, il a des zones mouches. Et ça, t'as beau les enlever tous les jours,
Ça revient. Et dans les poils de nomade, c'est une galère à enlever. Parce qu'il en a trop. C'est un ours. C'est un gros nounours. Bon, ça va. Il n'y en a pas trop trop, mais je sais qu'il y en a quand même. Là. Vous n'allez même pas les voir. Moi, je les vois. Non, 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 hein, les mouches, non, tu leur dis, c'est mort. D'accord? Ouais, ça y est, mon nono, il a des beaux pieds, il a eu son pansage. Il est content, je lui ai rendu sa liberté parce que je sentais bien que ça l'embêtait que je l'ai sorti pour le mettre là-bas pour lui faire son pansage alors que je viens juste de les libérer. Mais bon, c'était important de faire les pansements. Et maintenant, je vais partir en mission. Parce qu'il est fort possible que ça se trouve, il n'y ait pas de séance de longe avec A-Boy. Je dis ça, peut-être qu'il peut me faire mentir, mais vu que je viens de les libérer, connaissant le loulou, à mon avis, il va pas se laisser attraper. Et du coup, bah, en fait, quelque part, je me dis, s'il se laisse pas attraper, c'est qu'il a envie d'être là, tranquille et tout. Et comme j'ai pas d'objectif particulier, s'il travaille pas aujourd'hui, c'est pas grave. Au pire, il travaillera demain. Il est juste devant moi. Je vais poser le téléphone au cas où, parce qu'il y a moyen que ce soit drôle, parce que je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Et je connais mon cheval. Mais peut-être que non, peut-être qu'il sera d'une bonne volonté. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par Nomad et pas A-Boy, parce que si j'avais libéré là, ou alors il aurait fallu que je mette le licol à A-Boy avant d'ouvrir la porte. Sinon, non, j'aurais pas pu l'attraper. Bon, on va voir ça. C'est mort, je le connais. Je sais qu'il se laissera pas attraper. C'est mort. Alors après, si je force le truc, hein, je vais finir par y arriver. Hein. Mais là, je sais, voilà. Il va me tourner le cul tout le temps. Juste le toucher. Voilà, même ça, je n'y arrive pas. Oh! Oh, mais c'était pas que j'y arriverais finalement. Ah non. Oh là là. Pff, tu sais quoi, bah, j'ai même pas envie de te travailler en fait. Alors il y en a plein qui vont me dire, ah c'est pas bien, tu le laisses gagner et tout. Mais ah, j'en ai strictement rien à faire. Là en fait c'est le bonheur de mon cheval avant tout. Et je sais très bien que là il est trop content. Ils attendent ça tous là depuis des semaines. C'était sûr, évident. Et ben juste aujourd'hui j'ai envie de lui faire plaisir en fait et de le laisser gagner. Alors ce qui serait bien c'est que j'arrive juste à lui mettre le licol histoire de dire que ouais on a mis le licol mais je vais pas l'emmener travailler. Ah mon chat. Oui. Je l'ai eu finalement. Alors il est pas mis, hein, mais j'ai réussi à l'avoir. Non, je vais pas le travailler. Il est trop content. Je vais juste aller chercher une brosse parce qu'il en a besoin, mais pas de longe aujourd'hui. T'as gagné. Ça c'est juste parce que je t'aime. Hein. En fait, il suffirait juste que j'attende ne serait-ce qu'une demi-heure, je pense, qu'il broute un petit peu. Et après, j'aurai juste à l'appeler et il viendra. Mais j'ai pas une demi-heure, malheureusement. Enfin, si, j'ai une demi-heure. Mais dans une demi-heure, il faut que je sois repartie. Donc, je peux pas attendre une demi-heure. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Il y en a de la poussière. Ouf. Bon, du coup, c'est pas grave. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des crottins. Ouais, puis après j'irai chercher Lana et après on se retrouvera à la maison parce que j'ai reçu des énormes colis ce matin et je les ai pas encore ouverts. Alors pourquoi pas, et bah voilà, à la place de vous montrer une séance avec A-Boy, je vais déballer les colis avec vous. Voilà.
Non mais, on est à peine rentré que madame, elle est déjà en train d'ouvrir mes colis. Tu veux pas prendre un goûter d'abord? Après, mais avant, je tire fort. Tu veux d'abord ouvrir les colis et après on prend le goûter? Oui, oh, on ouvrira le brillant, je retournerai. Ah bah moi j'aurais préféré prendre le goûter et après ouvrir les colis. Mais ok, vos désirs sont des ordres. Madame, elle veut commencer par le gros, parce que j'ai un colis là et un autre ici. Bon. Alors attention à toi Mimi. Oui. Donc tu veux commencer par celui-là. Tu peux couper ça. Comme ça? Ouais. Tiens. Alors ça, c'est la marque Cavallo qui me l'a envoyé parce qu'elle débarque en France. On l'a trouvé surtout dans les pays comme l'Allemagne et tout. Et ça y est. Ça y est, ça débarque en France dans plusieurs selleries. Et du coup, bah, la marque m'a contactée pour que je puisse la tester, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Ils m'ont laissé choisir deux tenues pour cavalier et deux pour chevaux. Pour moi ? Ça se présente comme ça. Alors non Mimi, c'est pas pour toi. Je ferai des petites photos et j'en posterai sur Instagram. Donc j'ai pris une paire de protection. Au niveau de la couleur, on est sur un espèce de vert d'eau un peu. Je trouvais très original, donc voilà, anti-cob pour les guêtres. J'ai pris les protège-boulets qui vont avec, petit base layer pour aller avec. J'ai également pris le licol et la longe qui vont avec. Oh, c'est surprenant, c'est très 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 souple. C'est pas du tout rigide comme les licol qu'on a d'habitude d'avoir. Il est vraiment très souple avec la longe. C'est un tapis volant. Un tapis volant, exactement Mimi. Donc voilà, le tapis qui va avec. Avec le petit liseré gris et les cuissons Cavallo. Également un petit renfort en mouton au niveau du garrot. Une veste noire Cavallo, comme ceci. Un petit sweat. Un petit sweat vieux rose. Maman, regarde. Ah, Mimi, elle a mis son lapin dedans. Pantalon gris en leggings. Voilà. Avec le Cavallo derrière. Leggings également. Enfin, leggings, non. Il est en matière leggings, mais c'est pas en leggings. Et par contre, il est taille haute. Parce que de toute façon, moi, maintenant, je ne prends plus que des pantalons de taille haute. Donc voilà pour les petits détails. Hop. Et en ce moment, j'ai un amour pour le vert sapin. Du coup, je me suis pris une veste vert sapin. Un jeu de bandes vert sapin. Le tapis de dressage. Le tapis volant. Le tapis volant vert sapin. Voilà. Oh, il est magnifique. Il est tout satiné. Il est très, très beau. Vert maman, sapin. Détaché quoi? Les tétines? Oui. Ouais. Toujours avec le motif Cavallo ici et le renfort mouton au niveau du garrot. Je range tout ça et je passe à l'autre colis. Bon, je suis désolée, je change d'angle parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Ah oui, merci. Sur ma caméra. Donc on passe au deuxième colis qui est beaucoup plus lourd et celui-ci, c'est Orz qui me l'a envoyé. Alors, je me suis pris une paire de cloches bleu marine. Comme ça, d'ailleurs je suis en train de voir, ah non c'est un scratch, j'ai cru que c'était un clips, la tâche, mais non c'est bien un scratch. Donc voilà, en taille cob bleu marine. Et ensuite, ça c'est les deux mêmes choses. Oh, c'est un tapis volant. Non, pas vraiment. Et c'est ça l'article qui est lourd. J'ai pris exactement le même, c'est juste que j'en ai une en 125 pour Haribo et l'autre je l'ai pris en 135 pour soit Nomad, soit Hayboy. Je leur ai commandé tout simplement des couvertures anti-pluie, mais il n'y a pas beaucoup de grammage dedans. C'est vraiment pour, on va dire, la mi-saison, on va dire, enfin le changement de saison avant d'attaquer vraiment l'hiver où bah, là ils ont déjà des couvertures avec du grammage. Voilà, donc je leur ai commandé ça. Je vais vous mettre une petite image juste ici, parce que je n'ai pas envie de la déplier, hein, clairement j'ai la flemme. Voilà, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Bon, et bien c'est tout, c'en est tout pour cette vidéo parce qu'elle est assez longue comme ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je m'en vais préparer le goûter de ma Mimi d'amour. Ah, Mimi? Regarde, c'est une petite capuche. Ouais.
T'as l'air chaud là-bas à la maison avec ça. Qu'est-ce qu'on dit aux abonnés? Abonnez-vous! Ouais, on leur dit abonnez-vous. Enfin, du coup, les abonnés sont déjà abonnés. Mais qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui ne sont pas abonnées? Abonnez-vous, c'est ça. Abonnez-vous! Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va prendre le goûter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et d'ici la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!